Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour ce 63e meet-up du Node.js, premier meet-up de l'année, bonne année à tous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Node.js, nous sommes une association qui organise des meet-ups sur JavaScript et son écosystème sur Nantes, meet-ups qui ont lieu tous les troisièmes jeudis du mois. N'hésitez pas à nous proposer des sujets, si vous avez envie de parler de n'importe quoi sur JavaScript et son écosystème, ou même le web plus globalement. N'hésitez pas, on a un lien Conference Hall qui va apparaître dans le chat, dans lequel vous pourrez nous soumettre des sujets. Si vous avez aussi envie d'en discuter, vous pouvez venir sur notre Slack. Si vous avez des questions sur comment présenter, comment faire parce que vous avez peur, eh ben, on sera là pour y répondre. Avec le Covid, maintenant depuis 2 ans, on est surtout en ligne sur Twitch et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à ces deux chaînes pour profiter de tous nos meet-ups. Alors, une petite demande particulière, comme vous le savez, avec la pandémie, on a beaucoup changé nos habitudes de travail et on aimerait savoir ce que vous, spectateurs, attendiez du Node.js aujourd'hui. Donc, on a préparé un petit formulaire en ligne qui contient plusieurs questions auxquelles on vous invite à répondre. Et vous pouvez nous dire ce que vous aimeriez avoir comme contenu, ce qui vous préférez, etc. YouTube, Twitch, n'hésitez pas à nous transmettre votre avis. Donc, ce soir, deux sujets, comme souvent. Et premier sujet, donc, les images optimisées avec Nuxtimage, pardon, présenté par Yann Bertrand. Et second sujet, explorons les stratégies de cache offertes sur les PWA présentées par Jean-François Garraud. À l'issue de chaque sujet, vous aurez un lien Open Feedback qui vous permettra de mettre une gommette virtuelle sur ce que vous avez pensé de ce talk. Voilà, et là tout de suite, je vais faire venir le premier speaker de ce soir, Yann. Salut Bonsoir, Yann. bonsoir Benoît, bonsoir tout le monde. Qui est... Tu es à l'image. J'ai vu que Tu es tu as mute. fait une vraie carrière de Twitcher, YouTuber, abonnez-vous, tout ça. Je vais Aléa faire un peu la technique. même. Eh bien écoute, si c'est OK de ton côté, c'est OK pour moi. Je suis prêt à me lancer. Eh bien, c'est parti. Mais, bonsoir tout le Ne monde. bouge pas. Donc Benoît m'a présenté rapidement. Je m'appelle Yann Bertrand. Je suis développeur web, passionné par tout ce qui touche autour de JavaScript, mais globalement tous les aspects autour du web, HTML, CSS, les frameworks qu'on peut utiliser, tout ça, l'accessibilité, les performances, tout un tas de sujets qui sont un petit peu liés. Donc, je suis plutôt intéressé par ce qui est front. Maintenant, je fais aussi un petit peu de back parce que voilà, on en a bien besoin pour faire des sites web. Mais ce soir, je vais plutôt vous parler d'un sujet un petit peu front et je vais vous parler d'un framework que j'aime beaucoup, qui est un framework développé par une équipe en partie française qui s'appelle Nuxt. Et vous m'avez peut-être déjà croisé. Sur ce sujet de Nuxt, puisque ça m'arrive d'en parler bah, déjà à Node.js l'année dernière, j'en avais un petit peu parlé. Et puis j'ai moi-même une chaîne Twitch où il m'arrive de faire des petits live coding, de discuter un petit peu autour du développement. Et j'en ai fait un dernièrement, en décembre pour être précis, sur les images avec Nuxt, l'optimisation d'images avec Nuxt. Et c'est un petit peu les prémices du sujet que je vais vous présenter ce soir, puisque bah, je l'ai aussi utilisé en entreprise. Je me suis un petit peu cassé la gueule sur certains trucs, et j'espère que je vais pouvoir vous apporter quelques conseils pour que vous puissiez éviter ces petites bêtises de votre côté. Pour présenter un petit peu mon travail, donc je travaille dans une entreprise qui s'appelle Zenica.
Ma mission principale, c'est d'être consultant chez le client, donc faire de la prestation, grosso modo. Voilà, et ça se passe extrêmement bien. Il m'arrive aussi de donner des formations, notamment des formations Vue.js, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me pinguer. Puis aussi éventuellement des missions d'expertise sur des audits, tout ce genre de choses. Et ce soir, moi, ce que je vais vous présenter, c'est un truc qui a eu lieu dans le cadre de ma mission, parce que j'ai une super nouvelle mission depuis quelques mois, chez une entreprise que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, qui s'appelle Pix. C'est une entreprise très sympathique et je vous invite vivement à aller vous renseigner sur le sujet. Ça va probablement encore croître. Ça a déjà beaucoup, comment est-ce qu'on dit, cru dans ces dernières années, mais ça va probablement encore exploser plus loin. C'est une entreprise très sympathique sur les sujets des compétences numériques et de validation des compétences numériques. Voilà, donc c'est le petit aparté. Et ce soir, ce dont je voulais vous parler, donc le fameux projet dont je parle depuis tout à l'heure, je vérifie juste que on m'entend bien. Si vous pouvez me confirmer que le son est OK, je vois dans le chat que ça s'agite, n'hésitez pas. Et ce soir, donc, je vous disais, le projet que je vais vous présenter, un petit peu en fond, c'est ce fameux projet. OK, on me fait signe que c'est OK. Et ce site-là, donc, c'est un site qui est développé en Next, donc vous pouvez y accéder sur pix.fr. Et ce projet, il a des petites problématiques, parce que, en fait, ce n'est pas forcément nous les développeurs qui le remplissons, c'est une équipe qui est dédiée à la communication et donc ont des compétences tout à fait différentes des nôtres. Et bah, ces personnes-là ne sont pas forcément formées elles-mêmes au numérique et n'ont pas forcément, ne font pas forcément attention à des choses techniques sur lesquelles nous on pourrait penser. Et notamment, bah, en fait, quand elles vont ajouter des images dans le site, elles vont passer par un outil qui s'appelle Prismic. Et bah, ces images qui sont uploadées sur Prismic, et bah, en fait, elles vont être rendues telles quelles pour l'utilisateur. Ce qui fait qu'on peut se retrouver avec des images qui sont énormes, alors qu'en fait, elles sont affichées dans un tout petit carré, genre un logo comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller télécharger une image qui fait 2000 pixels par 1500. C'est pas nécessaire. Et donc voilà, un des sujets que j'ai eu en commençant cette mission-là, c'était d'aller travailler les performances de ce site-là, et donc notamment l'optimisation de ces images. Donc je disais, il y a cet overhead important. Il y a aussi d'autres soucis, c'est que les images sont hébergées chez Prismic. Prismic, eux, ça, ils le vendent, le fait d'héberger ces images et de nous les donner. Du coup, bah, plus il y a d'images là-bas, plus ça coûte cher à la fin du mois directement. Et donc, l'intérêt, c'était aussi d'éviter ça. Un dernier petit sujet, je ne sais pas si c'est lié à nous comme on l'avait fait ou pas. On utilisait un composant Prismic Image qui n'acceptait pas les attributs alt vide, les alt sur les images. Donc, c'est les alternatives qui permettent de potentiellement rajouter un texte si quelqu'un ne peut pas voir son écran ou a des déficiences visuelles. Eh bien, il peut utiliser ce qu'on appelle un screen reader qui va lire ce qui est à l'écran. Et l'attribut alt, souvent, on conseille de le remplir avec une valeur vide, puisque bah, en fait, il y a plein d'images qui sont sur les sites web qui n'apportent rien. Et donc, en fait, on ne veut rien dire quand c'est comme ça. Et en fait, Prismic Image, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il enlève cet attribut alt si il n'a pas de contenu. Donc voilà, on a pu corriger ces trois petits soucis avec la migration dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est cette migration vers Next Image. Cette migration, elle a été. Globalement, ça s'est bien passé, il y a eu quelques petits soucis. Et du coup, je vais en profiter pour essayer de vous inculquer les bonnes pratiques que j'ai apprises pendant ce chantier-là. Potentiellement, des nouveaux formats aussi que vous n'auriez pas en tête. Il y aura peut-être quelques petites surprises au fur et à mesure de cette présentation. Et bah, évidemment, je vais vous parler beaucoup de Next Image. C'est un peu un support, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de petites idées intéressantes. Et voilà, on va mettre ça en pratique. Le fil rouge de ce soir, c'est un petit site que j'ai développé, que vous avez peut-être déjà vu quelque part. J'ai cloné comme un malpropre le site du Node.js. Alors attention, le but n'est pas du tout de trasher ce qui est fait sur le site du Node.js, c'est quelque chose qui est fait déjà bénévolement. Et surtout, en fait, c'est pas du tout le même site.
Eux sont partis sur une stack technique complètement différente de la mienne. Donc là, moi, ce que je vais montrer, ça n'a juste rien à voir. Et en fait, j'ai même fait un petit peu des bêtises volontairement que eux n'avaient pas fait pour pouvoir montrer les types d'optimisation petit à petit. Donc voilà, ce site-là, il a pas mal d'images, c'est ça qui m'a intéressé. On trouve un logo en haut de la page, un petit logo du meet-up de ce mois-ci pour expliquer un des sujets ou les deux sujets sur de quoi ils vont parler. Les images, les avatars des Twitter des speakers. Ensuite, une liste de sponsors, et puis on retrouve le petit logo du nom de JS en bas. Et une petite image aussi pour dire que le site est déployé sur Netlify. C'est mon cas ici aussi. N'hésitez pas si vous voulez aller regarder vous de votre côté. Vous allez voir dans l'URL ici, il y a une étape qui va monter petit à petit. Donc vous allez voir dans les URL si vous voulez y accéder, vous pouvez l'utiliser aussi sans problème. Hop, première petite optimisation qu'on peut faire sur ce site. Ça va se passer autour du logo. Donc vous voyez que ce logo qui est en haut de cette page, en fait, il a une taille qui est plus grande, donc c'est le problème que je vais vous expliquer sur Pix.fr, que ce qui est réellement nécessaire à l'affichage. Donc là, on voit dans les Dev Tools que cette image a une intrinsic size, c'est-à-dire une taille réelle de 400 par 400 pixels, et une taille rendue seulement de 104 par 104 pixels. Donc ça, vous pouvez le voir aussi en passant la souris sur un élément. Là, en fait, on sait que ce logo, il va toujours avoir cette taille-ci. Et donc, bah, en fait, concrètement, on n'a pas besoin d'aller récupérer autant de pixels, puisque bah, l'image, elle est beaucoup plus petite que ce qu'on va afficher. Donc, vous voyez que ce fichier-là, il fait 42 kilobits. Et bah, déjà, une piste pour simplifier, enfin, pour optimiser cette image-ci, c'est d'aller tout simplement changer le format de l'image. Alors là, je l'ai préparé un petit peu en amont. Je vous montre petit à petit le projet sur lequel on va bosser. Ici, donc, j'ai un fichier logo qui est un composant vue, qui, du coup, pour l'instant, affiche une image en PNG. Je vais juste afficher une image en SVG. Et ce qui se passe quand je vais sur la nouvelle compilation, eh ben, c'est que je vais récupérer un fichier beaucoup plus petit. J'avais 40 kilobits, je passe à 7 kilobits, ce qui est assez important comme différence. Autre chose qui est intéressante sur ce format SVG, je vous le conseille si vous avez ce genre de petits cas d'illustration, de logo. C'est un format qui est complètement adapté, qui pèse relativement pas lourd. Et surtout, le gros avantage qu'il a, c'est qu'on peut le rendre à différentes tailles et qu'il va toujours être extrêmement joli à l'écran. Même si on a un ratio de pixels important ou quoi, ça va toujours être des super images. Donc une première optimisation possible, c'est bah, d'utiliser plutôt des SVG que des PNG. Ok. Deuxième truc qu'on va aller faire pour essayer de trouver des pistes de performance et d'optimisation de nos images, c'est qu'on peut faire tourner un audit Lighthouse. Donc là, je suis dans Chrome, j'ai un petit onglet qui est tout à la fin de la liste des onglets, qui permet de lancer des audits. Là, en l'occurrence, celui qui va m'intéresser, c'est l'audit de performance. Je l'ai fait tourner en desktop, non en mobile. Voilà, je l'ai fait comme ça hein, pour simplifier la vie. Cet onglet, il va m'apporter pas mal d'informations sur ma page et des potentielles pistes d'évolution. En l'occurrence, sur les performances, c'est ça qui va m'intéresser aujourd'hui. Avant de parler de performance, il y a juste un petit truc. Qui est aussi intéressant et qui est intrinsèquement lié qui comment dire, est une bonne pratique à appliquer. On voit ici que j'ai une notion qui s'appelle le cumulative layout shift. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Grosso modo, c'est le fait que quelque chose se déplace à l'écran plus tard au chargement. Donc là, par exemple, l'utilisateur, il voulait cliquer sur le bouton No Go Back. On va revoir, ça va reboucler. Et en fait, au moment où il a cliqué sur ce truc-là, bah, il y a un autre élément qui est apparu au-dessus. Et du coup, il a appuyé sur Submit Order. Et en fait, on voit, bon, c'est un peu pour rigoler, mais que bah, du coup, il a fait une commande alors qu'en fait, ce n'était pas du tout ce qu'il voulait faire. Et là, on voit que mon cumulative layout shift, il n'est pas correct. On voit que, enfin, il n'est pas correct. Il est vert, donc globalement, ça va très bien. Par contre, on voit qu'il n'est pas à 0,0, il est à 0,013. Et donc, on a potentiellement moyen d'optimiser ce truc-là. Je vais aller regarder plus en détail dans la trace de chargement de ma page pour voir exactement ce qui s'est passé. Donc là, je suis dans ce fameux onglet performance qui peut vous faire un petit peu peur. Ce qui se passe, c'est au départ, j'ai une page blanche.
Donc je charge ma page. Et petit à petit, ça c'est ce que peuvent voir des utilisateurs qui ont un réseau pas terrible, par exemple, ou bien un device un peu pourri, un téléphone un peu ancien ou quoi. On voit ensuite que j'ai un chargement partiel de quelques éléments qui s'affichent à l'écran. On voit la barre en haut de l'écran, le petit bouton proposer un sujet en jaune qui est apparu, les logos en haut, tout un tas de petites images qui font déjà, qui essayent de montrer un petit peu déjà à quoi la page va ressembler. Ensuite, on voit que petit à petit, j'ai les textes qui apparaissent, et puis après, j'ai le logo qui apparaît. Et en fait, il y a un truc qui se passe là, quand j'ai le logo qui s'affiche, vous voyez peut-être que en fait, le header, là, la barre de navigation, bah, elle grossit quand le logo est apparu. Et en fait, ça, pourquoi ça le fait? Parce que ce logo, bah, en fait, le navigateur ne sait pas les dimensions qu'il va avoir avant de l'afficher. Et du coup, on a ce décalage qui peut se faire. Du coup, c'est pas tout à fait une question de performance, mais un des trucs qu'on peut faire pour éviter d'avoir ce problème-ci, il y a d'autres solutions, c'est d'aller regarder éventuellement ce que Lighthouse nous propose. Il nous dit, attention, les éléments images doivent avoir explicitement une with et une height. Alors ça, c'est une première nouvelle. En fait, la balise image, en plus des attributs src et alt, c'est une bonne pratique de leur ajouter les attributs with et height. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est conseillé. Il y a éventuellement possibilité de le faire en CSS aussi, si on le souhaite. Et ça, c'est une bonne pratique à respecter. Du coup, bah, je vais le faire. Là, on voit que j'avais déjà prévu le coup. J'ai des inputs, des props qui me permettent de remplir ces informations-là. Donc, en l'occurrence, si je lui donne les with et les height qui vont bien, hop, je prends juste mes notes pour voir les dimensions exactes que j'avais besoin. Je peux lui rajouter une width et une height qui vont bien. C'est les dimensions qu'on a vues dans les DevTools. Tac. Et bien on voit, alors attendez, je vais aller un peu vite. Hop. Que ce fameux logo, maintenant il a ses attributs width et height à 104. Et ce qui s'est passé dans l'audit de performance Lighthouse, c'est que bah, mon layout shift il a disparu. On est passé à 0 en layout shift. Donc ça c'est cool. Si je vais voir la timeline de la stack, ouais, qu'est-ce qui s'est passé au chargement quoi. On va voir que ma barre de navigation, bah, en fait, quand l'image s'affiche, j'ai plus ce déplacement que j'avais avant. Donc déjà un premier truc qui est résolu. Et effectivement, pour l'instant, ça n'a pas de lien avec l'optimisation d'image. Mais vous allez voir que bah, en fait, c'est une bonne idée de faire ce truc-là pour ensuite optimiser les images. Alors. Étape suivante. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller regarder en bas de la page les fameux sponsors qui sont affichés ici. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui peut être sur lequel vous-même vous pouvez contribuer. Si votre entreprise décide de sponsoriser le monde JS, en fait, son logo pourrait apparaître ici et c'est vous qui pourriez l'ajouter. La problématique de ça, c'est que bah, on peut mettre n'importe quel format d'image, n'importe quelle dimension. Et en fait, on peut se retrouver potentiellement avec des images qui sont énormes, alors qu'en fait, vous voyez qu'elles n'ont pas besoin d'un espace énorme. Et donc là, en l'occurrence, on a le même problème que ce qu'on avait tout à l'heure. La taille rendue, elle est de 156 par 130. Par contre, la taille intrinsèque, c'est 666 par 555. Donc on a un fichier de 40 kilobits qu'on peut probablement aller optimiser. Alors ça, pour aller le corriger, eh ben on va aller utiliser directement NextImage. Et comment on fait pour utiliser NextImage? On va aller tout simplement installer le package. Alors j'utilise les raccourcis, donc npm install en mode développement, donc dev dependency. Je vais installer le package NextImage. Pendant que ça tourne, je vais aller rajouter directement dans mes build modules, je vais avoir besoin de NextImage. Ça, c'est le process par lequel va passer Nuxt à la compilation. Il va utiliser directement NextImage pendant la compilation. Juste une petite précision, là, je vais parler uniquement d'un projet Nuxt en statique. J'ai un doute, mais je crois que en fait, ça ne marcherait même pas. NextImage n'est pas compatible avec d'autres types de compilation, juste pour information et pour être bien précis. Donc voilà, j'ai installé le truc, j'ai compilé l'image dynamiquement. Maintenant, il faut juste que je fasse un dernier truc, c'est que bah, j'aille utiliser cette fameuse balise next-image. Donc c'est le cœur du truc auquel me donne accès NextImage. Ça, et puis bah, comme tout à l'heure, il faut préciser idéalement. Hop, je reprends encore une fois mes notes. Je vais juste
me faciliter la vie comme ceci. Hop. Et donc là, bon, je récupère pareil les tailles des images qui sont réellement affichées à l'écran. 156 par 130. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant quand je fais ça? Donc, vous voyez ici, il y a plusieurs choses qui ont changé. J'ai déjà les attributs qui sont apparus, donc width et height à 156-130. Et là, mon logo, bah, en fait, il s'appelle plus pareil que tout à l'heure. Et il n'est plus au même endroit d'ailleurs non plus. Il est passé dans un dossier Nuxt Image, donc tiré du bas Nuxt Image. Et il a comment dire, un nom qui est haché pour éviter les problèmes de cache potentiellement. Donc si on veut le modifier, bah, on est sûr et certain que ce ne sera pas le même fichier qui sera affiché. Et bah, là, contrairement à tout à l'heure, le fichier, il ne fait plus que 10 kilobits versus 40 au départ. Voilà. Cet environnement que je vous montre là, je l'ai fait sur tous les logos qui sont affichés à l'écran, enfin sur tous les sponsors. Et du coup, vous voyez en haut à droite là que j'ai rajouté un petit encart informatif qui va vous permettre de vous simplifier la vie à la lecture de ce que je suis en train de raconter. Vous voyez que j'ai mis des mesures ici. Ces mesures, elles proviennent de cet onglet Network. On voit ici dans Chrome que j'ai une information sur le nombre de, enfin sur le poids de ce qui a été transféré et le poids des ressources qui sont réellement affichées à l'écran. Ce qui va nous intéresser principalement ici dans le cadre des optimisations, c'est les kilobits transférés. Et donc, on va essayer de, enfin, si vous voulez garder un œil à quelque chose, gardez plutôt l'œil sur ce qui est transféré, c'est réellement ce qui passe dans le réseau. Et c'est l'optimisation qui va réellement nous intéresser d'un point de vue utilisateur. Donc là, vous voyez qu'il y a un gain qui est relativement important, juste en utilisant des images de la bonne taille. Mais en fait, on est passé de 534 kilobits à 408 kilobits, ce qui représente une baisse de poids de 24%. Donc c'est assez conséquent déjà comme baisse. Ok, ça c'était la première manière d'utiliser Nuxt Image. Deuxième manière d'utiliser Nuxt Image, dans certains cas, bah en fait, on n'utilise pas des images et des balises des images avec l'attribut SRC, on utilise des backgrounds en CSS. Donc là, en l'occurrence, le background image, on lui précise une URL. Et bien, on va aussi pouvoir faire passer ça dans la moulinette de Nuxt Image. Donc là, ça se passe de ce côté-ci, dans mon index.vue. Juste pour information, j'ai créé un computed qui va aller mettre ce style dynamiquement. Si vous n'êtes pas familier avec Vue, ce n'est pas dramatique. Dites-vous que ça va juste aller ajouter ce background d'image avec l'URL au bon endroit. Ici, tout ce que j'ai à faire, c'est d'utiliser la propriété image et, bah, comme tout à l'heure, d'ajouter mes width et height correctement. Hop, 176. Pareil, ça, c'est les dimensions réelles qui sont affichées, que prennent le logo affiché à l'écran. Hop. Donc, je précise ça. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Eh bien, je parie que tout à l'heure, je me retrouve avec une image hachée dans un autre dossier, aux bonnes dimensions. Donc là, elle fait 176 par 176. Par contre, regardez en haut à droite, justement, le fameux encart dont je vous ai parlé. Un truc intéressant. Bah, en fait, on n'a pas gagné en poids sur cette transformation-là. Ça, c'est un des trucs que je pense est important à retenir sur ce petit essai. C'est qu'en fait, des fois, bah, juste, on pense à des choses qui vont, de notre point de vue, potentiellement optimiser quelque chose, mais en fait, ce n'est pas le cas. Des fois, on a des surprises. En l'occurrence, je ne sais pas expliquer exactement ce qui se passe. Je ne sais pas si ça vient du format PNG, parce que du coup, là, hein, si on compare vraiment les deux, on est passé d'une image de 280 par 280 à une image de 176 par 176. Elle faisait 12,8 kilobits, elle en fait 18,6. Alors pourquoi ça fait ça? C'est difficile à expliquer. Mais voilà, les pistes, c'est potentiellement le format PNG, la moulinette par laquelle passe Nuxt Image. En l'occurrence, ça utilise une librairie qui s'appelle IPX, qui est dans le package NGS, si vous ne connaissez pas, c'est très intéressant, il y a plein de bonnes idées dedans. En interne, ça utilise Sharp, peut-être que vous connaissez, pour tout ce qui est manipulation d'images. Et c'est développé par l'équipe qui développe Nuxt et puis un petit peu de développeurs du côté Vue aussi. Donc voilà, toujours être attentif avec la recherche d'amélioration de performance, des fois, ça ne marche pas. Ok pour ça.
Par contre, une autre piste qui va nous intéresser, c'est d'utiliser un autre format d'image. Donc là, on était sur du PNG. Je vais remplacer ces PNG-là, et puis aussi les PNG des sponsors, puisque c'est pareil, on a des PNG ici aussi. Et ça, bah, je ne vais pas le faire moi de mon côté sur les images que j'héberge. Je vais le faire dynamiquement grâce à Next Image. Et pour ce faire, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'ajouter l'attribut format, qui n'est pas un format, qui n'est pas un attribut natif à la balise image. C'est un truc qui nous est fourni par Next Image. Et j'ai juste besoin de rajouter format WebP à cet endroit-là. Pareil, côté $.image. Tac. Et quand on fait ça, donc juste petite aparté sur le format WebP, si vous ne le connaissez pas, c'est un format d'image qui est relativement récent et qui est réputé pour avoir des très bonnes performances versus bah, typiquement JPG ou PNG parce qu'il gère aussi la transparence ou même GIF. Donc c'est un format relativement récent et que je vous conseille en production maintenant. C'est complètement viable de l'utiliser. Vous voyez ici qu'à part IE 11, le fameux classique, ça se passe bien partout ailleurs. Et qu'est-ce que ça donne quand on fait ça? Donc, comme tout à l'heure, on se retrouve avec un autre hash, mais par contre, là, on est passé sur du WebP. Pareil sur mes sponsors, là, on est passé du PNG au WebP avec les bonnes dimensions. Et là, on a fait un petit gain. On a gagné 14% sur le nombre de. Enfin, sur le poids qui a été transféré dans nos requêtes réseau. Ok, ça, c'est une bonne piste d'optimisation, d'amélioration de performance. Maintenant, vous allez me dire, ouais, c'est très bien ton truc là, c'est cool, mais qu'est-ce qui se passe quand tu veux optimiser des images externes, ce qui est un cas qui peut être assez probable sur des projets réels. Typiquement, là, les avatars, ils sont affichés avec une URL de Twitter. Donc on utilise réellement l'URL de Twitter, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de les héberger de notre côté. Ça peut avoir des intérêts, ça peut aussi avoir des inconvénients. Ben, en l'occurrence, ces images, pareil que les autres, elles sont trop grosses par rapport à ce qu'on a besoin d'afficher. Et donc potentiellement, c'est une bonne idée d'aller les recompiler aux bonnes dimensions. Donc là, on voit qu'on les affiche toujours en 104 par 104, et puis en plus, on voit qu'il y a un petit médaillon autour. On va voir si on ne peut pas faire un truc dessus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour optimiser ces images externes? Donc là, je vais le faire dans un autre fichier encore. Premier petit truc avant d'aller là-dedans, il faut que je précise que j'accepte les domaines externes à Next Image. Et donc, dans mon Next Config, qui est le fichier de configuration des projets Next, pour rappel, j'ai juste à préciser image. Donc, image, c'est pour le plugin image, Next Image. Je liste des domaines pbs.twimg.com. Donc ça, c'est l'URL de là où sont hébergées les images. Et si je vais dans mon fichier talk, donc là, vous voyez comme tout à l'heure que j'utilisais directement une URL, le thisavatar là, il correspondait à une URL Twitter, donc avec le chemin je vous ai dit. Et donc de la même manière, il faut que j'utilise this.$image dessus et que je lui précise que je veux des images de dimension 104. Hop. Et de cette manière-là, si vous regardez le petit encart en haut à droite, eh ben on a gagné énormément de place, enfin dans le transfert de nos ressources. Donc là, juste en compilant nos images, en réduisant leur taille, on a gagné 32% sur le transfert de poids d'image au global. Alors ça, juste pour info, là, le petit comparatif, le before là, c'est vraiment l'étape précédente. Donc là, vous voyez, je suis sur la step 7. Si vous allez sur la step 6, c'est avec ça qu'on compare. Donc petit à petit, on baisse et on baisse quand même beaucoup. Et je vais vous faire une petite conclusion à la fin pour vous dire exactement combien on a perdu, mais c'est assez conséquent. Ok, très bien. Je ne vais pas m'attarder sur celui-ci parce qu'il est un petit peu plus complexe, mais je vais vous montrer quand même des trucs où des fois on s'attend à des améliorations de performance et en fait ça ne le fait pas. J'ai testé de brancher ce qu'ils appellent un provider d'images. En gros, l'intérêt de ce truc-là, c'est que ça va à la fois nous servir d'hébergeur, donc ça va faire un CDN avec des images qui sont super optimisées, machin. Mais en plus, ça va donner accès
a des possibilités de transformation. Ils appellent ça des modifiers côté Next. Et en gros, l'idée, c'est que ça va vous permettre, par exemple, de faire un effet de blur sur vos images, ajouter du gris dessus, les faire tourner, rajouter un radius, selon ce genre de choses. Et ce truc-là, je disais, je l'ai testé, parce que je me suis dit, il y a une optimisation supplémentaire là, qu'on pourrait faire qui serait sympa. C'est qu'en fait, là, sur mes images qui sont affichées à l'écran, par exemple, l'avatar de Jeff, là, bah, il est très beau, Jeff, hein, aucun problème là-dessus. Par contre, il y a toute une partie de l'image qui est inutile. Tout ce qu'il y a autour, là, ça n'a pas d'intérêt. Alors, j'ai des petits collègues qui m'ont dit qu'a priori, le gain potentiel était de 20% de couper réellement le cercle autour de la tête de Jeff. Donc, j'ai tenté de faire ce truc-là. Pour ça, j'ai utilisé le provider ImageKit, qui est un des providers, un des très connus, c'est Cloudinary. ImageKit, voilà, il est très simple d'utilisation, j'ai eu aucun problème à le mettre en place. Le truc le plus compliqué, c'était de savoir où placer les paramètres. Et surtout, attention, le base URL, c'est pas URL avec RL en minuscule, c'est bien URL avec URL en majuscule. J'ai passé une heure dessus à pas comprendre ce qui se passait, mais bon, vous avez tous vécu ça. Voilà. Donc, dans le Next config, globalement, il faut rajouter ce ImageKit. Et ensuite, on rajoute des paramètres. En l'occurrence, j'ai rajouté un radius avec la valeur max. Et puis j'ai essayé de rajouter un BG aussi, qui permet normalement d'avoir une couleur de fond plutôt que d'avoir une image transparente, si on n'a pas besoin d'une image transparente. Ok, et ça, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, du coup, ça va utiliser une image qui n'est plus chez nous, qui est maintenant chez ImageKit, chez notre provider. Donc là, vous voyez que l'URL de l'image, là, il se termine par TR. W104, H104, RMAX, BG, F1, F1, F1. Ça, ce que ça veut dire, c'est transformation, une width 204 pixels, une height 204 pixels, un radius maximum, c'est-à-dire un cercle, et une background color à F1, F1, F1. Par contre, si on regarde le petit panel en haut à droite, bah, en fait, on se rend compte que bah, on n'a rien gagné. C'est-à-dire que là, mon image a fait 3,9 kilobits, alors qu'avant, elle en faisait 3,8. Donc, on a gagner du poids. Enfin, on a pris du poids, disons. Et c'est pas une bonne chose en l'occurrence. Voilà pour ces optimisations. J'ai quelques petits trucs avant de terminer le talk. J'ai déjà pas mal parlé. Juste des petites erreurs à éviter sur lesquelles nous, on s'est un peu cassé la tête sur le projet réel sur Pix, sur Pix.fr. Premier petit truc auquel il faut toujours penser. Les images, elles ne doivent pas être placées dans le dossier assets, elles doivent être systématiquement passées dans le dossier statique. Si elles ne sont pas dans le dossier statique, elles ne vont pas passer dans Next Image. Et il faut faire attention à ça parce que potentiellement, du coup, elles restent chez le provider. En l'occurrence, nous, c'était chez Prismic. Et attention, elles peuvent rester chez Prismic. Nous, on voulait qu'elles soient en local en plus de les optimiser. Autre truc qui était un petit peu plus tricky, on avait. Côté client, un truc qui n'est pas forcément jojo, avec le recul, quand on l'a fait, on a estimé que c'était une solution acceptable. On compilait une grille un peu complexe en JavaScript pour afficher des images avec des règles de gestion un petit peu compliquées. Des fois, on en voulait 3 sur une ligne, des fois 2 puis 2, enfin ce genre de choses un petit peu galère à faire en CSS. Et donc, on s'est dit que c'était une bonne idée d'aller le faire en JavaScript. Et d'utiliser du coup pour ça des méthodes vues qui existent côté JavaScript. Et donc en l'occurrence, on a utilisé mounted, qui est quelque chose qui est appelé, c'est une méthode qui est appelée à l'initialisation de notre composant. Le problème de ce truc-là, c'est que c'est côté client uniquement que ça fonctionne. Quand on fait du server-side rendering, ben, cette méthode, elle est appelée, mais comment dire, on peut pas aller le faire passer dans la moulinette Next Image. Ça, et puis on a même utilisé un process client, un endroit dans le code. Et donc, ça, c'est des trucs sur lesquels Next Image ne sait pas trouver les images, où est-ce qu'elles sont compilées. Et donc là, pareil, on s'est retrouvé avec des images qui étaient trop grosses et en plus qui n'étaient pas chez nous, puisqu'elles restaient chez Prismic. Donc, ça, c'est un petit tips, attention à ces choses-là. C'est à éviter. Je vous invite à aller voir d'ailleurs. Le projet, parce que chez Pix, on travaille sur des projets qui sont open source, donc n'hésitez pas si vous voulez aller jeter un coup d'œil de temps en temps, ça peut toujours être intéressant pour en discuter. Voilà pour ça.
Juste pour faire la petite conclusion de mon travail là, sur ces projets, sur ces étapes, disons plutôt, j'ai fait juste un dernier petit chemin. Au global, ce qu'on a gagné entre le début du projet que je vous ai montré et la fin du projet, bah, c'est un gain de transfert de 57%. Donc c'est quand même assez énorme comme différence entre le début et la fin. Et encore, je l'ai fait vraiment comme ça, un peu au pif. Il y a probablement moyen d'aller beaucoup plus loin si on fait vraiment attention à régler plus finement, notamment un des attributs que j'ai pas cité, qui est l'attribut quality. Il y a probablement moyen d'aller beaucoup plus loin. Et là, juste, vous remarquerez que bah, le site, il est tout à fait utilisable. On ne voit aucune différence graphique à l'œil nu, comme ça, on ne peut pas le voir. Un des moyens de voir qu'effectivement, on a eu de l'impact, c'est d'aller utiliser Web Page Test, qui est un outil développé par Google, si je ne dis pas de bêtises. Et ça permet de faire des audits de performance. Et en l'occurrence, donc, on voit, par exemple, je vais vous prendre une mesure, le temps avant que le document soit complété. Il était au départ de 1,688 secondes. À la fin du travail, il est passé à 1,025 secondes. Et ça, c'est une différence qui est quand même majeure. En sachant que bah, selon les appareils, selon le réseau, on peut potentiellement diviser quasiment par deux le temps de chargement. C'est juste potentiellement beaucoup plus d'utilisateurs sur notre site et c'est super. Sans parler des aspects écologiques, évidemment, bah, ça sert à rien d'aller fournir des images énormes pour des choses qui n'en valent pas la peine. Hop! Voilà pour moi, pour conclure un petit peu sur ces expérimentations-là. Donc, juste, je vous invite, si vous voulez, aller jeter un coup d'œil au projet. Il est sur GitHub, donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce que j'ai fait. Ce que j'ai apprécié avec l'expérience autour de Next Image, et puis je compte pas m'arrêter là, je vais revenir dessus, c'est que ça m'a permis de mettre les pieds dans quelque chose que je ne connaissais pas, enfin, dans même plusieurs domaines que je connaissais pas. Les images, qu'est-ce que c'est qu'une image? Comment est-ce qu'on fait pour créer une image dans le monde numérique, comment est-ce qu'on peut les optimiser, et aussi comment est-ce qu'on peut faire pour mesurer la performance. Vous avez vu que là, je vous ai montré des choses par rapport à des idées que je me suis fait. Peut-être que c'est pas la meilleure idée d'utiliser l'onglet Network de Chrome pour faire des comparatifs, je ne sais pas. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Et du coup, j'ai appris différents trucs, j'ai appris à utiliser un petit peu l'onglet Performance, j'ai appris à utiliser Lighthouse, ce genre de choses. Donc ça, je vous conseille fortement à aller jeter un coup d'œil. Et du coup, ouais, des standards et pas forcément seulement des trucs sous framework Next, quoi. C'est ça qui est intéressant. Next Image m'a permis d'aller pousser là-dedans. Des petits points plus négatifs quand même, avant de terminer. Il y a des petites limitations que j'ai trouvées. Pour moi, c'était. J'ai pas trouvé le moyen d'utiliser différentes sources de fichiers différents, de formats différents, pardon. Par exemple, ce qui est possible aujourd'hui avec la balise Picture en HTML, c'est de fournir différentes sources avec des formats différents, ce qui permet au navigateur de se dire, OK, là, l'utilisateur a accès à WebP, a accès à JPG, a accès à d'autres formats qui sont peut-être plus récents, par exemple à AVIF. AVIF, c'est un format d'image qui est vachement optimisé, encore plus que WebP, mais qui est encore assez peu présent sur le web. Eh bien, potentiellement, on peut aller dire, OK, tu as à disposition toutes ces sources-là, moi je te recommande celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, et en dernier recours, tu affiches une image en PNG ou en JPG. Et ça, j'ai pas trouvé de moyen de le faire avec Next Image. Autre chose, l'API reste relativement limitée. Vous avez vu que là, j'ai dû mettre les with et les hate à la main systématiquement. J'ai vu dans le code source de Next Image qu'il y avait une méthode getMeta qui est censée récupérer les métadonnées d'une image, et donc notamment ses dimensions. Sauf que ce truc-là, bah, il n'est pas documenté, c'est vraiment dans le code source, et il n'est pas utilisable. J'ai testé, j'ai pas eu des résultats concluants dessus. Donc bah, juste, il faut pas aller s'aventurer dans ces trucs-là. Et puis plus globalement, bah, il y a un peu d'incertitude sur le maintien de cette librairie. Je ne sais pas trop si c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Je crois qu'il y a une issue ouverte sur est-ce que c'est disponible avec Next 3. Voilà, tout ça, c'est des questions en suspens. Juste. Promis, dernier truc avant de terminer. Pour aller plus loin, quelques petites pistes, et moi je compte aller plus loin, donc peut-être qu'avec un peu de chance, je reviendrai vous présenter d'autres trucs à Node.js sur le sujet des images optimisées. Moi, un des trucs que je veux faire après, c'est d'utiliser l'attribut sizes de Next Image, ce qui permet de définir un SRC7
pour des images responsives, c'est-à-dire des images où on va dire, OK, si tu as telle densité de pixels, je vais afficher telle image, sinon celle-ci. Si tu as telle taille d'écran, je vais afficher celle-ci, sinon celle-ci. Ça, c'est des choses qui sont possibles avec Next Image. Et avec d'ailleurs une autre balise Next Picture. Et dernier petit truc, un livre que j'ai commencé à feuilleter, que j'ai malheureusement pas eu le temps de creuser plus en détail, que je vous conseille largement, qui est extrêmement intéressant de ce que j'en ai lu pour l'instant, qui s'appelle Image Optimisation, par quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est Adi Osmani, qui est un engineering manager chez Google, qui travaille notamment sur les DevTools. Ils travaillent sur Lighthouse, sur PageSpeed Insights. Ils ont développé beaucoup d'extensions Chrome et ce genre de choses. Et son travail est juste faramineux et colossal. Et il y a, vous voyez la taille du bouquin, il est énorme. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur à la fois les formats d'image, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui, comment est-ce qu'on construit une image, ce genre de choses. Mais aussi sur les optimisations pour l'affichage dans le web. Et bah écoutez, voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Twitch. Voilà. Merci beaucoup, Nantes.js, de m'avoir reçu ce soir. J'espère que j'ai pu vous apprendre quelques trucs. Et je vais voir tout de suite vos questions. Merci Yann, de retour avec un Yes. casque qui fonctionne cette fois. Et du coup, il y a plusieurs questions que je vais te poser Ouais. tout de suite, que tu dois être J'en aussi en prie. train Ouais, je de suis en train lire. de les regarder, mais vas-y, je t'en prie. Alors je vais t'en mettre C'est une plus en deux, théâtral. Jeff, en premier, qui demande si tu peux changer le moteur de compression. Ah, c'est une bonne question. Écoute, je n'ai pas la réponse à cette question. Tu peux du coup utiliser des providers différents, mais alors là, quels sont les moteurs qu'ils vont utiliser eux en interne, je ne sais pas. Je crois que tu peux créer ton provider custom, donc potentiellement tu dois pouvoir faire ça, un truc comme ça. Mais en tout cas, par défaut, le moteur de compression, je pense que c'est IPX que j'ai rapidement montré. Et je ne suis pas sûr que tu puisses aller lui le changer comme ça. À vérifier. Ok. Deuxième question de Oroden. Mmh. Alors, y a-t-il une différence au niveau du CLS entre placer les attributs width et height directement sur la balise image et avoir la width et height définie en CSS? Yes. Alors c'est un sujet que j'ai en tête depuis quelques jours, hein, depuis qu'il faut que je fasse ce talk, et je suis pas encore allé creuser plus loin. Je sais qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est le fait que, en fait, quand tu vas charger ta page HTML, elle va elle-même aller charger un autre fichier CSS. Et ça, en fait, ça se passe en deux temps. Tu as d'abord ton fichier HTML qui est parsé. Quand il voit qu'il y a une ressource externe, typiquement un fichier CSS, il va aller lancer une requête pour aller récupérer ce fichier CSS, mais en parallèle, il va continuer le parsing de la page HTML. Donc le point intéressant de le mettre directement dans les attributs, c'est qu'il n'a pas besoin d'une ressource externe d'aller récupérer un fichier ailleurs. On a directement l'information dans l'HTML, et donc le navigateur, ou plutôt, il est capable de dire, OK, j'ai besoin de tel espace pour afficher l'image. J'espère que ça répond à peu près à la question. Mais ouais, pour l'instant, je ne l'ai pas réellement testé en CSS, à vrai dire, le with et height. Parce que le truc qui vient me contredire un petit peu, c'est le fait que bah, normalement, ton navigateur, il n'est pas censé afficher quelque chose avant d'avoir fini de parser le CSS et de commencer à l'exécuter. Donc voilà, c'est à creuser en tout cas. Petite question, tu as cloné notre site qui est pas du tout en vue, du tout, t'es amusé à tout refaire. Oui. Alors j'ai fait en partie copier depuis Nantes.js.org, en partie dans les sources, puisque le site est open source. Et donc bah, n'hésitez pas d'ailleurs à aller contribuer à ce site. Je pense que j'ai quelques petites contributions à faire pour vous faire gagner un petit peu en performance du coup. Bah, du coup, merci. Pas d'autres questions? Dans le chat, et ben, Merci n'hésitez beaucoup. pas, oubliez pas, Ah oui, tiens, open attends, juste, feedback, excuse-moi. Je pardon, vois vas-y. Julien qui précise un talk qui est effectivement intéressant et qui a été une des sources de ce talk-ci.
Parfait, merci. C'est une bonne ressource sur les images en HTML. Ça aborde pas tout à fait le même point d'optimisation, mais c'est effectivement tout l'aspect SRC7, d'utiliser des bonnes images par rapport à la taille du device, à la densité de pixels, tout ça. Ça, c'est un talk effectivement que je vous conseille. J'ai eu la chance de le regarder. Et allez-y, il est super intéressant. Bah top, bah merci. Open feedback, j'étais à open feedback. N'oubliez Yes. pas de mettre une gommette sur ce que vous avez pensé du talk de Yann. Et puis bah j'ai fait remonter tout de suite le deuxième speaker, Merci beaucoup Jeff. et bon courage, Jeff. Hop, c'est Hop, je salut monte. Jeff, Salut. bienvenue. Bienvenue à J'espère que tu es tous. prêt. Et Ouais, bah carrément. je vais te laisser démarrer ton talk. Bon talk. Ok, parfait. Alors, je me suis mis mon petit setup, j'ai les commentaires à côté. Enfin bref. Bon, bah, bonsoir à tous. Ce soir, on va parler donc de stratégie de cache offerte sur les PWA. En fait, plus précisément, je vais m'attarder essentiellement, donc pas que des choses applicables aux PWA, mais globalement aux service workers et donc accessible à n'importe quel site. Parce que souvent, les gens, quand on parle PWA, ils sont ouais, un buzzword et tout, j'en ai marre des PWA. Et en fait, les service workers, c'est un standard du web. Donc, autant regarder, ça peut être intéressant. Moi qui suis-je, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-François Garraud. Je travaille chez Sphere à Nantes. Sphere, c'est une autre société de consulting aussi, développement, etc. Si vous trouvez que ce que je dis, c'est pas trop mal, vous pouvez me suivre sur Twitter. J'ai pas trop tendance à. Je suis pas un gros tweetos. Donc, je vous spammerai pas, promis. Et malheureusement, moi, j'ai pas de chaîne Twitch. Donc, vous ne pourrez pas me suivre pour l'instant sur Twitch, même si de temps en temps je vais faire des trucs. Mais c'est pas fou. Donc, on va parler stratégie de cache. Ce qu'il va falloir retenir sur ce talk, c'est pas tant le fait qu'il y ait une stratégie de cache applicable à son application, mais bel et bien N stratégies de cache qui vont correspondre à différents use cases au cœur de son application. Et c'est bien ça que je vais vous présenter, ces différentes stratégies et à quoi elles peuvent servir dans vos applications. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va faire attention, il faut vous accrocher, hein, j'espère que vous n'avez pas trop faim, mais je vais essayer d'aller relativement vite tout en vous gardant captivé. On va parler de cache only, de network only, de cache first, de network first, de cache then network, de stale while revalidate et de generic fallback. On va voir tout ça dans le détail. Et puis j'en présenterai d'autres après. Donc, pour parler de tout ça, je vais vous montrer en fait précisément du code sur comment l'implémenter, à la fois en vanilla pure, donc c'est-à-dire comment quand je prends mon service worker, je le fais à la mano, ou aussi à chaque fois, je vais vous présenter les deux alternatives principales qui existent, à savoir Workbox, qui est une librairie qui vous facilite énormément le travail d'écriture de vos service workers, et vous le verrez justement à travers ce talk. Et l'autre truc que je montrerai, c'est le monde Angular. Parce qu'en fait, quand on parle de service worker, Angular propose sa propre configuration qui est spécifique. React et Vue, aujourd'hui, en fait, sous le capot, ils utilisent Workbox. Donc, tout ce qu'on verra pour Workbox sera valide pour React et Vue. Je ferai juste des parallèles à chaque fois sur Angular. Donc, des fois, il faut savoir aussi qu'on a un truc un peu particulier et que je vais juste expliciter maintenant. C'est comment on fait avec Workbox ou Angular quand on a des besoins spécifiques et qu'on n'est pas en train d'écrire son propre JavaScript. Qu'est-ce qui peut m'amener à avoir un truc comme ça? Je vais prendre un exemple assez clair. C'est dans le cadre d'appli qu'on a développé chez Sphere, il y en a une qu'on a écrite qui s'appelle streetart.app, qui est donc une sorte de Shazam du street art. Vous allez dans la rue, vous voyez un artiste, vous scannez, puis il va vous dire qui c'est. Alors ça marchera que si on a renseigné cet artiste dans notre base de données. Mais bref, cette appli, c'est une appli web en fait. Ce n'est pas une appli mobile à installer, c'est bel et bien une PWA écrite en Angular. Et elle fonctionne aussi offline. Comment elle fonctionne? Sous le capot, je vais aller très très vite parce que ce n'est pas le sujet du talk. Il y a du TensorFlow JS qui tourne, donc on télécharge un modèle local, etc. Et de la même façon, on va récupérer un certain nombre d'artistes.
Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait besoin, nous, pour cette application, de précharger tout un ensemble d'assets avant que l'application soit utilisable, à savoir le modèle et la liste de mes artistes, etc. Ça, c'est des choses que j'avais besoin de précharger. Et en fait, cette notion de préchargement qui est en dehors des données qui sont juste de l'ordre de la page, c'est une sorte de préchargement bis, ça, en fait, ça n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a aucune stratégie qui le définit. Donc, comment on fait quand on veut faire des trucs comme ça? Que ce soit en Workbox ou en Angular, on va faire un truc simple. En fait, on va créer systématiquement son propre service worker. En fait, dites-vous qu'à chaque fois que vous avez des cas bizarres, vous créez votre propre service worker. Vous générez votre service worker soit avec Angular, soit avec la CLI de React, de Vue, etc. Ou vous utilisez la CLI de Workbox. Et en fait, vous allez inclure finalement le service worker généré, donc Workbox Angular, dans votre service worker via la balise import. Comme ça, en fait, ce que vous allez référencer dans votre HTML, c'est non pas celui qui est généré, mais le vôtre. Comme ça, vous pouvez avoir un contrôle à 100% en fait, des nouvelles étapes que vous allez pouvoir surcharger, soit en amont, soit en après, en fonction de comment le script va être déroulé. Et donc, on va pouvoir surcharger les éventuelles étapes. Concrètement, ça donne quoi? Donc ça, c'est, vous voyez, il s'appelle My Service Worker. Donc ça, c'est le service worker que j'ai écrit moi. Et dedans, je vais avoir un import script d'un service worker écrit, par exemple, en Workbox. Et après, qu'est-ce que ça fait? Je vais pouvoir, si j'ai besoin de surcharger un truc sur le Activate, dans mon service worker, je vais soit le mettre avant ou après en fonction de ce que j'ai besoin de faire. Comme ça, je prends le contrôle complètement de mon service worker et j'y reviendrai il y a un moment où j'en parle un peu plus tard. Donc avec les frameworks, je l'ai dit assez rapidement, avec Angular, on va utiliser une schématique, ce qui s'appelle la PWA, qui va nous générer un NGSW worker. Et dans la configuration de notre Angular JSON, quand on va aller configurer les choses, on pourra triquer et justement changer ce NGSW worker. Mais là, ce n'est pas ça dont je veux parler. Là, quand on va manipuler les PWA ou du moins les stratégies de cache avec Angular, en fait, il va nous proposer deux grandes catégories. D'un côté, les assets, donc de ce type-là. Et il y aura l'autre qui seront les API sur lesquels je vais revenir après. Alors ça, je vais passer, c'est pas très intéressant. React, j'en ai parlé. Vue, j'en ai parlé. C'est pas forcément important de montrer, parce que c'est, si vous voulez voir Vue globalement, c'est de la configuration, c'est du fichier de configuration. Attaquons maintenant directement par les différentes stratégies. Donc la première, cache-only. Cache-only, c'est quoi? C'est une stratégie très basique qui vise, comme on peut le voir, donc on a l'ordonnancement. J'ai ma page qui va demander une ressource. Elle va aller forcément passer par le service worker parce que il fait office de proxy. Et je vais chercher la donnée uniquement dans le cache et je la renvoie. Alors, c'est quoi les use cases? Comment ça se fait qu'on va avoir besoin d'un truc comme ça? Ça, en fait, c'est tout ce qui sont les données de ce qu'on appelle l'app cache. Pour ceux, enfin, la partie, pas l'app cache, mais la partie instant application. En fait, quand on load un site, il y a un certain nombre de ressources qui sont disponibles directement, qui ne vont pas changer ou alors très très peu au cours de l'application, et ces applis-là, en fait, une fois qu'on l'a chargé au démarrage de notre appli, on n'a plus jamais besoin d'aller la chercher ailleurs. Donc on va la chercher uniquement dans le cache. Donc la stratégie cache only va servir uniquement à ce genre de choses. Et c'est ce qu'on avait fait justement dans l'appli streetart.app. Alors, comment on va initialiser, donc c'est le cache only a deux aspects, un côté initialisation, parce que forcément, il faut bien qu'à un moment ça ait été mis dans le cache quand même. Donc dans notre service worker, on va utiliser l'événement install, ce qui est le premier, donc quand notre service worker arrive. Dessus, je vais attendre, je vais ouvrir mon cache statique et je vais ajouter donc tout un ensemble de ressources, d'app shell, tout ce qui est mon app shell, donc voilà, c'était ça le terme que je cherchais tout à l'heure. Toutes les ressources AppShell, je vais les mettre dedans et puis je vais continuer le processus d'installation. Ensuite, quand je vais les utiliser, on va faire quelque chose de très simple. Si je suis dans une stratégie uniquement cache-only, ce qui est un peu bizarre mais qui peut arriver, je vous parlerai d'un cas dans lequel j'ai fait ça. En fait, on va uniquement répondre à un fetch via le cache. Lequel cache j'avais fait pour lequel j'avais développé une app pour ça, c'est par exemple
au tout début des PWA, j'ai codé une application qui me permet de contrôler un robot Oli. Vous savez, les trucs Oli, là, les sphéros Oli, là, c'est les trucs qui roulent en web Bluetooth. Bah, en fait, cette appli, elle est figée. Globalement, une fois qu'elle fonctionne, il n'y a aucun appel, jamais d'appel serveur qui se passe. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas besoin. Et donc, on peut marcher uniquement en stratégie cache only, parce qu'il ne va jamais rien sortir de l'appli. Ça, c'est vraiment un des cas rares. Par contre, dans la vraie vie, en règle générale, ce qu'on va plutôt avoir, c'est un autre cas où on va définir, on va regarder si notre route, elle est présente. Et à ce moment-là, on va répondre via du cache. Avec Workbox, comment on fait ça? Alors, en fait, on a deux façons de faire. On va utiliser le pre-cache en route, qui est donc le moyen explicité dans Workbox pour faire l'AppShell. Donc, je vais expliquer bah, de la même façon quelles sont les données de mon AppShell. Et je vais lui dire, tu me le pré-cache et tu routes. Et donc de cette manière-là, automatiquement, Workbox va créer le service worker qui justement va faire ce que je vous expliquais avant. Quand la ressource est demandée, il sait qu'elle doit aller la chercher dans le cache. Voilà, ça c'est une manière très simple de faire ça. Deuxième façon de le faire avec Workbox, et c'est là où vous allez voir que la force de Workbox, c'est qu'ils ont créé en fait des stratégies de cache. Quasiment pour toutes celles que je vais vous présenter. Et donc, il se trouve que là, il y a une stratégie cache only. Comment elle fonctionne? On fait quoi? Quand on reçoit une image, bah, par exemple, quelque chose qui est une image, et bah, tu réponds avec du cache only. Là, on va répondre comme ça. Et là, automatiquement, la magie va se faire parce que la donnée aura déjà été pré-cachée. Avec les frameworks, en fait, ce sera toujours avec Angular, les frameworks, vous verrez. Comment mettre en place cette stratégie de pré-cache? Eh ben en fait, on va passer, donc, cette stratégie, étant donné qu'elle est adressée à des ressources statiques, donc ça se passe forcément dans la partie assets, on va se mettre en install mode, prefetch, update mode, prefetch. Donc je vais revenir un petit peu sur les deux terminologies. Donc il y a install mode, c'est quel comportement j'adopte quand je découvre l'URL. Update mode, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'y reviens. Et donc, prefetch, ça veut dire tu vas la charger avant même que tu fais en sorte de la précharger. Et update mode, c'est pareil. Prefetch, ça veut dire en gros, globalement, je ne vais jamais interroger le network. Je vais toujours interroger ce qu'il y a dans le cache. De cette manière-là, on sait que si par exemple, toutes les images qu'on a mises dans un répertoire statique qui est lié à l'AppShell, en faisant cette prefetch, on va se retrouver en mode dans la stratégie en fait cache only. À l'opposé, il y a la méthodologie network only. Donc, bah, elle, à l'opposé, bah, justement, j'ai une requête, je passe mon service worker, je ne vais faire que du network. Pourquoi j'aurais cette stratégie? Bah, pour des URL critiques. Par exemple, une URL d'authent, quand je vais m'authentifier, bah, enfin, ou du moins la première fois, celle qui doit valider mon authentification, c'est une requête critique. Il faut qu'elle passe par le network. C'est pas quelque chose qui vient du cache. Donc ça, par exemple, ça va être du network only. Alors, c'est un peu bizarre de parler de network only sur des stratégies de cache, parce qu'en fait, finalement, du network only, c'est on est en train de dire, bah, on va rien mettre en fait, parce que justement, si on c'est un peu le cas de fallback en fait. Là, j'ai mis comment on l'écrirait, donc c'est-à-dire event response with fetch. Bah, en fait, on fait le fetch de la requête demandée, et ça va finalement, ça va le faire. Ou alors, on met rien, parce que si on met rien ça va faire le fetch, ça va continuer, c'est de façon non interceptée, et donc ça va faire l'appel. Dans la vraie vie, en fait, c'est plus pourquoi on la met en place, c'est parce que, en effet, comme je vous disais, on va l'associer à des requêtes critiques. Et donc, si on la met face à des requêtes critiques, on va l'identifier dans notre service worker de cette manière-là. Si mon URL, elle est sur une API qui est critique et qui doit donc forcément répondre avec du network, dans ce cas-là, tout ce qui passe sous ce passe-là, je vais le mettre en fetch. De cette manière-là, je suis sûr d'être en network only. Si on regarde avec Workbox, bah, magie, magie des stratégies, on va se mettre en network only. De la même façon, on va dire que si mon URL est match la fameuse API, dans ce cas-là, tu te mets en network only et ça marche. Avec les frameworks, en fait, dans Angular, ils ont prévu le coup avec un truc. Il y a deux manières de faire, en fait. Il y a la possibilité d'ajouter directement à l'URL un header, en fait, enfin un paramètre de requête, donc c'est le NGSW bypass, qui va explicitement dire à Angular,
cette requête-là, tu ne la gères pas par le service worker, tu bypasses, donc c'est comme si justement j'avais aucune condition, c'est une sorte de cas par défaut. Soit ça, soit on l'ajoute dans le header, en fait. On peut ajouter directement dans le header en faisant ça. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être mis, par exemple, si vous faites de l'Angular, c'est quelque chose que vous avez tendance à mettre dans des intercepteurs ou des trucs comme ça, des intercepteurs assez particuliers, ou des guards, enfin bref. Vous pouvez manipuler, du coup, tout ça. Là, on a vu les stratégies les plus simples. Là, on va commencer à regarder des stratégies qui commencent à être un peu plus réfléchies, mais qui vont être assez intéressantes. La première, c'est cache first. Cache first, comme son nom l'indique, vous vous en doutez bien, va vous redonner en premier lieu votre cache. Comment ça va marcher? Donc, je vais chercher en priorité ce qu'il y a dans le cache, et si je ne l'ai pas, bah, je vais chercher un fallback. Et en vrai, on n'oublie pas de remettre dans le cache. Ça va servir à quoi? Donc, on va se dire, tiens, par exemple, les avatars dont parlait Yann tout à l'heure, si on se dit que ces avatars, justement, bah, on veut les mettre en cache pour que ça recharge encore plus vite, on va les mettre en cache first. La première fois que la page va arriver et qu'elle va chercher ma requête d'avatar, elle ne va pas la trouver. Donc, elle ne va pas la trouver dans le cache, donc elle va aller chercher dans le network. Ça, ce n'est pas grave. Elle va me la redonner et je vais avoir, du coup, la prochaine fois, l'image issue du cache. Globalement, on va partir du principe que c'est des ressources qui, une fois qu'on les a, on considère qu'elles sont bonnes ad vitam aeternam. Enfin, jusqu'à ce qu'on décide d'invalider cette partie du cache. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on va un peu plus graver dans le marbre et qui va venir dans un second temps. Ça permet d'éviter en fait un temps de chargement trop long et donc d'optimiser aussi ce type de requête. Comment ça se fait, ce genre de choses, dans le service worker? Donc, on est dans la méthode fetch, j'ai un event response with qui arrive. Première chose que je vais faire, c'est je vais regarder dans mon cache si je trouve ma requête. Et quand je la trouve, du coup, donc quand j'ai le résultat qui arrive, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il ne trouve pas quelque chose dans le cache, en fait, il répond avec nul. Donc, c'est pour ça qu'on s'est permis de mettre un ou, en fait, un ou logique. Sur le Zen, donc la réponse arrive. Je vais avoir ma réponse qui va être rendue si elle est disponible. Et si elle n'est pas disponible, dans ce cas-là, je pars en fetch. Une fois que le fetch il arrive, qu'il est de retour, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en fait, on va ouvrir mon cache, un cache dynamique, et on va aller mettre cette requête directement dans mon fetch. Enfin, dans mon cache, pardon. Et je retourne le résultat. De cette manière-là, j'ai bien fait ma flèche supplémentaire qui retourne vers le cache et qui finit par me redonner les ressources à mon utilisateur. Donc voilà ce que ça donne en global, quand on fait tout bout à bout. Donc on fait le fetch, on va chercher la requête, on récupère la réponse ou on fait le fetch. Quand on fait le fetch, on récupère, on va mettre à jour le cache, etc., etc. Vous voyez, c'est un petit peu de code, mais globalement, ça se lit quand même plutôt pas mal. Quand on veut faire avec Workbox, ah bah voilà, c'est là la magie de Workbox. Cache first, et je précise le type d'image, le chemin, etc. Et ça va faire exactement ce que j'ai écrit juste avant. Donc ça va être plus simple. Quand on est dans le monde Angular, comment on va faire? Donc on va se placer cette fois-ci donc, dans la partie assets. Et le install mode, en fait, on ne va pas le mettre en prefetch. C'est l'update mode qu'on va mettre en prefetch. L'idée, c'est de dire, par défaut, je vais en install mode, je vais attendre que l'image, qu'on me demande cette ressource pour aller la chercher. C'est ça qu'on appelle lazy. Et par contre, quand on revient la demander, bah cette fois-ci, je veux prendre en compte ce qui est issu du cache, le côté prefetch. Voilà, c'est comme ça que ça va marcher. Si je veux le faire sur une API, du coup, on va se mettre dans une stratégie. Donc, en fait, quand on est, il y a deux choses. Hein. Il y avait ce que je vous disais, c'était les assets et les data groups. Data groups, c'est les API. Et donc, dans la cache config, on va avoir un truc qui s'appelle la stratégie, qui est performance ou freshness. Performance, c'est on va essayer d'optimiser. C'est-à-dire que si on a la donnée, on va la redonner. Et quand on écoute la phrase que je viens de dire, eh ben, le côté performance correspond en fait en tout point à la stratégie cache first. Donc, il suffira d'utiliser la stratégie performance. Nouvelle stratégie, network first. Donc, cette fois-ci, on ne va pas au contraire privilégier le cache, mais on va plutôt privilégier le network. Pourquoi on va privilégier le network? Je vais prendre un cas, par exemple, qui est Twitter. Prenez Twitter, vous ouvrez Twitter, la première chose que Twitter va vous afficher, ce qui est mieux, c'est la timeline actuelle.
Mais supposons, on est dans un état où on n'a pas Internet. Bah, en fait, ce qu'on a envie quand même quand l'appli s'ouvre, c'est d'avoir un flux. Et donc, on va en second lieu aller chercher ce qui se passe dans le cache. Voilà. C'est une bonne façon d'expliquer, par exemple, le network first. C'est ce genre de décisions qui vont nous amener à mettre en place ce type de stratégie de cache. Donc, comment on la met en place, elle? J'ai mon événement fetch, l'event arrive, j'ouvre mon cache dynamique. Très bien. Pourquoi je l'ouvre? En fait, vous verrez, enfin, je l'ouvre d'abord, mais ça, c'est pas grave, vous allez voir la requête. J'ouvre juste mon cache dynamique parce que je vais quand même mettre en cache mes données. Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est que je fais ma requête, une fois que mon cache est ouvert, ça, c'est pas grave, ça prend rien du tout. Et quand ma réponse arrive, je la remets dans mon cache, je la retourne, et si jamais j'ai une erreur sur mon fetch, donc le catch, dans ce cas-là, je vais retourner la ressource issue du cache. Donc, je suis vraiment bien dans une stratégie network first, c'est-à-dire, un, je fais un fetch. Donc, le fetch, il se trouve, allez où ma souris. Hop, je vais la chercher. Bah, voilà. Le fetch, il est bien ici. Donc, c'est ce que je délivre en premier. Et en second lieu, uniquement, je présente mon cache. Avec Workbox, vous vous en doutez, il y a une stratégie pour ça, network first. Et ça marche pareil. Donc c'est quand même assez cool. Cette fois-ci, avec Angular, on va devoir faire un petit peu différent. C'est en fait, donc pour les images, ce qu'on va définir, c'est du lazy-lazy. C'est-à-dire que on va privilégier dans les deux cas quelque chose qui n'est pas présent. Et en fait, ce qu'il va faire quand même, lui, quand il va utiliser du lazy-lazy, c'est qu'il va dire, bon, si la donnée, elle vient et que je ne l'ai pas, dans ce cas-là, je vais te renvoyer quelque chose de cache. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on active le service worker avec Angular, les données vont être systématiquement mises en cache par défaut, sauf si on utilise le fameux NGSW bypass dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que le lazy-lazy correspond bien au network first, en fait. Install mode, c'est pas là. Lazy, donc je vais d'abord la chercher. Deuxième fois qu'elle arrive, c'est le même principe. Je continue d'aller chercher la donnée d'abord sur Internet avant d'aller la récupérer dans mon cache. Pour les API, on est donc cette fois-ci dans ce qu'on appelle du freshness. Tout à l'heure, c'était performance, pas freshness, c'est l'inverse. C'est va me chercher d'abord ce que tu considères être la donnée la plus fraîche, et si tu ne l'as pas, dans ce cas-là, tu me donnes ce que tu avais dans le cache. Nouvelle stratégie. Cache Zen Network. Alors celle-ci, elle est un petit peu différente parce que elle va intervenir dans plusieurs aspects de votre application. C'est la seule stratégie qui a un effet en dehors du service worker. Vous voyez, il y a plusieurs flèches 1, il y a plusieurs flèches 2. Donc on va expliquer ça tranquillement. Le Cache Zen Network, c'est le next step de ce qu'on avait vu tout à l'heure avec Twitter sur le network first. Tout à l'heure sur Twitter, je vous disais, en premier lieu, j'ai envie d'avoir la timeline la plus active, en effet. Mais supposons que je sois sur un réseau qui est un peu foireux, etc. Et que je sais que je vais quand même avoir un résultat. En fait, on va utiliser dans ce cas-là du cache Zen Network. Et ce que va faire donc Twitter, c'est qu'il va nous afficher en premier lieu ce qui est issu du cache. Donc c'est ici, cette partie-là. Dans un premier temps, tu m'affiches en même temps que tu fais ta requête ce qui est issu du cache. Et, parce que je sais que je vais l'avoir plus rapidement, et en parallèle, je vais quand même chercher ma timeline active. Et donc, il va la chercher, elle est un peu longue à arriver, elle revient, elle met à jour le cache et elle met à jour l'appli. Donc, globalement, là, on serait clairement dans layout shift, du cumulative layout shift, comme. Pouvez le dire tout à l'heure Yann, mais c'est une stratégie donc qui a été faite pour ça entre guillemets, c'est-à-dire que on veut avoir quelque chose de très performant rapidement et donc c'est pour ça qu'on va chercher en même temps, on va challenger finalement notre cache et notre network en même temps. De cette manière-là, on est sûr d'avoir quelque chose vite, comme ça il y a vraiment un sentiment d'instantanéité de notre donnée et on va en plus chercher ce qui se passe sur le network. Comment ça se met ça du coup en place? Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs aspects en fait qui vont rentrer en compte quand on met cette stratégie là en cache.
En fait, le premier truc, c'est qu'en fait, on va, côté service worker, ça va ressembler à du network first. Pourquoi? Parce que cette partie-là, ça, c'est la partie service worker, et ça, c'est le même schéma que ce que j'avais sur le network first. Donc, côté service worker, ça va ressembler. C'est-à-dire, j'ouvre un cache, je fais mon fetch, quand je récupère mon fetch, je récupère le résultat, je le clone, je le mets dans le cache, et après, voilà. Et après, bah, je retourne le résultat, puis si j'ai une erreur, dans ce cas-là, je fallback sur le cache, etc. Et là, vous voyez le fichier que j'affiche, ce n'est pas serviceworker.js, c'est bien main.js, c'est vraiment là où tourne mon application. Et donc, comment on va faire ça? Donc, quand je sais que je vais avoir une donnée sur donc cette ligne-là, const network update fetch data.json, quand je vais chercher cette donnée, en réel, ce qui va se passer sur cette ligne-là, c'est qu'on va aller taper dans notre service worker et on va se retrouver dans le fameux fetch que je vous ai montré tout à l'heure. Sur le Zen, je vais récupérer ma réponse, très bien, et ben, je vais mettre à jour mon résultat quand il va arriver. Donc ça, c'est bien, c'est la deuxième flèche, en fait, quand on était en haut, qu'on revient. Hop, ça, c'est la mise à jour de mon UI, ça, c'est bien. Mais ce qu'on va faire en parallèle, c'est regarder, en parallèle de cet appel, comme en fait, on est sur de l'appel asynchrone, quand on veut mettre en place ça, volontairement, on va pas se mettre en async await. On va plutôt utiliser la puissance des promesses. C'est le genre de cas où on va bannir l'async await. C'est pas, j'aime bien async await, mais là, typiquement, c'est un cas où async await ne marcherait pas. Donc, on va faire notre première promesse qui va faire le fetch, qui va donc être asynchrone. Et la ligne d'en dessous, enfin, l'exécution d'en dessous dans l'event loop, je vais mettre un cache.match de data.json. Parce qu'en fait, ce qui est génial avec l'API offerte dans les service workers, c'est que Caches, qui est une API qui nous permet d'accéder à ces données en cache, elle n'est pas ouverte que aux service workers. Elle est aussi ouverte à vos web workers, à votre page. Donc, vous pouvez y accéder directement depuis le main thread. Et ça, c'est cool. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va accéder depuis le main thread à notre data.json. Et sur le résultat, dans ce cas-là, enfin, si on en a un, on va le renvoyer. Et si on le renvoie, on update notre page. Mais ça, on va le faire que si notre network n'a pas été plus rapide. C'est pour ça que là, vous voyez, j'ai un non-network data receive qui fait office à ce que j'avais mis ici. Network data receive, false. C'est pour ça que je commence par démarrer en le mettant à false. Et quand mon network répond, je mets bien ce truc-là à true. Et avant de mettre à jour les données, je vérifie bien que mon serveur n'a pas répondu. Et si j'ai une erreur sur ce cache, parce qu'il n'existait pas, exemple, c'est la toute première fois que je fais ce call, donc je fais un catch, qu'est-ce qui se passe? Je renvoie finalement simplement la promise de network update qui va continuer de s'exécuter tranquillement et faire la magie et donc bien mettre à jour mon site. Ce n'est pas forcément la stratégie la plus simple à appréhender comme ça en premier lieu, mais elle est diablement efficace et finalement elle tient en peu de choses. Donc, quand on est avec Workbox, bah, en fait, on fait du network first. Parce que je vous ai dit, la partie service worker, en fait, elle n'a pas changé. Toute l'intelligence et la magie du Cache Zen Network se passe en fait dans la partie main.js. Donc, avec les frameworks, pareil, Angular, on fait la même stratégie network first. Alors, attendez, juste, parce que là, je crois que c'est des questions en lien avec cette stratégie. Est-ce qu'il serait possible de changer de stratégie de cache dynamiquement en fonction de la vitesse du réseau 4G, 3G? Ouais, dans l'absolu, ce serait possible, en fait. On pourrait. Alors, après, ça demande quand même beaucoup d'efforts. Ça demanderait beaucoup d'efforts parce qu'en effet, il faut récupérer les informations sur le type de connexion qui est utilisé. Et encore, des fois, le problème, c'est que le type de connexion utilisée n'est pas le reflet de ta puissance réseau. C'est pas parce que tu es branché en RJ que bah, tu vas être sur un bon réseau, quoi. Donc, on pourrait en effet, parce que finalement, tout ce qui est exécuté, c'est du code JavaScript. Il suffit qu'on ait les flags qui vont bien. Si par exemple tu sais que tu es en train de changer de réseau, tu pourrais très bien mettre une donnée dynamique dans ton cache qui serait une donnée de type qualité de réseau et la lire en premier lieu quand tu débarques dans ton service worker au moment du fetch pour savoir quelle stratégie tu as envie d'adopter à ce moment-là, quoi. Par exemple.
Mais je pense qu'on rentrerait dans une très grosse complexité de code quand même. Mais en tout cas, c'est faisable. Stale while revalidate. Alors, ça veut dire quoi? Ça ressemble un petit peu au cache Zen Network, mais c'est pas tout à fait pareil. Si on regarde l'ordre des flèches, on va voir qu'il y a un truc qui est un petit peu bizarre. C'est-à-dire, d'abord, je fais mon appel, je vais chercher dans le cache en premier lieu si c'était présent, et je retourne mon résultat, et en parallèle, je vais quand même faire un appel réseau, qui quand il revient, je le mets dans le cache, et on voit que ce résultat qui est récupéré du réseau, lui, ne revient pas à ma page. C'est quoi le use case de ça? Le use case classique, ça va être des données non critiques sur lesquelles on veut a posteriori potentiellement la donnée la plus fraîche. Je vais prendre un exemple, l'avatar. Si, quand on est en train de naviguer, imaginez, on est en train d'utiliser un service type Gravatar, un truc dans lequel je mets mes avatars, je les change, etc. Fondamentalement, ce n'est pas critique si au moment où j'ai changé mon avatar, si quand je suis en train de naviguer, l'avatar n'a pas été encore complètement rechargé partout. C'est pas très grave. Ça viendra, enfin, sur ma page en cours, c'est pas quelque chose de critique. C'est quand je vais commencer à naviguer qu'à ce moment-là, mes requêtes de Gravatar qui vont partir vont, elles, être déjà mises en cache et me mettront à jour mon image. Ça, voilà, ça c'est un use case du stale while revalidate. Comment ça se met en place, ça? Donc, je vais ouvrir donc mon cache parce qu'en fait, en premier lieu, je vais chercher ma donnée dans le cache. Donc, on fait comme tout à l'heure. Je vais regarder si la donnée elle, est dans mon cache. Si elle est présente, bah, je vais quand même faire le fetch, hein, c'est quand même la particularité. Et mon fetch, de toute façon, quoi qu'il arrive, il va mettre en cache les choses. Mais à la fin, ce qui change, c'est cette différence-là, c'est que si c'était la première fois que je faisais ma requête, mon premier response est issu du cache, n'existe donc pas. Donc, je vais passer dans le OU, qui va me retourner le résultat de ma promesse fetch, qui est donc un résultat valide. Et par contre, si la donnée est déjà dans le cache, alors à ce moment-là, je l'exécute, et c'est ça que je renvoie direct, en laissant mon fetch continuer son travail, et je sais que mon cache va être mis à jour a posteriori. Et c'est comme ça que ça va marcher. Avec Workbox, eh ben, c'est magique, comme par hasard, une stratégie existe, génial. Avec les frameworks, alors là, il faut feinter. En fait, ce n'est pas applicable pour les ressources, il n'existe rien pour les ressources qui permettent de le faire. C'est la seule chose qu'ils préconisent, eux, la team Angular, c'est d'utiliser pour des ressources de type API. Donc, c'est par exemple, c'est, je ne sais pas, moi, vous avez envie d'avoir un truc qui n'est pas de façon critique à jour. Et en fait, la manière de faire ça, c'est de jouer en fait avec la stratégie freshness couplée à un timeout. Ça veut dire quoi tout ça? Comment on va comprendre ce truc-là? Donc la stratégie freshness, pour rappel, c'est une stratégie qui va chercher en premier lieu les données issues du web, qui va donc chercher sur le network, mais en mettant un timeout à zéro, en fait, on ne lui laisse pas le temps de nous donner le résultat, on lui dit... Si la donnée, tu n'arrives pas à me la voir, dans ce cas-là, tu me donnes ce qu'il y a dans le cache. Et en fait, en mettant le timeout à zéro, automatiquement, on bascule direct sur le cache. Et l'appel fetch étant donné qu'il se fait, quand même, parce qu'il a été lancé, va mettre quand même notre cache à jour. Et donc, finalement, nous retrouver dans ce fameux stale while revalidate. Voilà, c'est un peu tricky, c'est un peu bizarre comme façon de faire, mais c'était la seule façon qu'ils avaient d'expliquer comment le mettre en place. Dernière stratégie, la generic fallback. Donc, la generic fallback, en gros, bah, c'est quand tout a merdé, il faut bien qu'on affiche quelque chose, bah, c'est le cas par défaut. Voilà, c'est à peu près ça, le generic fallback. Donc, c'est par exemple, c'est quelque chose qu'on va utiliser notamment pour les images. Si je n'ai pas d'image, que je suis en train de chercher, justement, je suis dans mon application en train de naviguer, puis que j'ai un problème réseau, et je n'ai pas envie d'afficher le petit icône cassé, bah, je vais afficher une image de chat à la place. Ou le logo du Node.js. Tiens, j'ai envie que tous mes avatars, ce soit le logo de Node.js. Et ben, le generic fallback va me servir à ça. Tous mes avatars, par défaut, seront le logo de Node.js parce que c'est une donnée que j'aurais pré-cachée à l'origine et qui, elle, va être rendue systématiquement par défaut.
Donc, comment ça marche dans un service worker? Je vais chercher dans un premier, donc dans ma donnée dans le cache. Je ne la trouve pas, je vais la chercher dans le fetch. Je ne la trouve pas, je vais chercher mon truc qui est par défaut. Offline, ici, c'est offline.html ou bien Node.js logo.png ou .webp parce qu'on fait les choses bien de façon performante. Donc, voilà comment on le fait. Curieusement, avec Workbox, c'est le seul truc où il faut produire plus de code que dans la version Service Worker. En fait, ils n'ont pas prévu de stratégie de generic fallback, c'est assez surprenant. Et par contre, ils ont un mécanisme de plugin. Ils exposent un mécanisme de plugin qui prend le contrôle en fait, du cycle de vie complet de notre Service Worker. Que ce soit au moment où une requête arrive, une requête dans le cache est faite, etc. Une requête de network démarre, est sortante, rentre, etc. est en erreur. Bref, tous ces états-là, tout ce qui constitue les entrées-sorties de mon application entre le cache et le network, ça correspond à une méthode et à un hook dans ces plugins. Donc bref, on peut faire plein de choses. Et donc, ce que recommande l'équipe Workbox quand on veut faire du generic fallback, c'est donc de créer son propre plugin. L'idée va donc être de définir son URL de fallback, qu'on va mettre en cache, en fait, qui va être couplé au fait qu'on ait utilisé la stratégie pré-cache in route, donc pour rappel, qui met en cache des données initiales dans notre application. Et quand on a un fetch, dans ce cas-là, on va retourner la réponse, ça c'est très bien. Par contre, sinon, on va se rouer une erreur, et quand on récupère une erreur, quelle que soit l'erreur qu'on va récupérer, qu'elle soit cache ou network, donc ce qui veut dire en effet que on a trouvé la ressource nulle part, dans ce cas-là, on va chercher la ressource directement dans le cache. C'est ça, en fait, c'est aussi simple que ça. On force le côté erreur sur la requête pour être sûr qu'on passe bien dans cette méthode de fallback d'erreur qui va donc nous permettre d'aller chercher dans notre cache notre fameux fallback. Côté utilisation, c'est pas bien compliqué. J'ai créé mon propre plugin, du coup, je vais naviguer. Je vais me mettre, par exemple, en network first. Et je vais définir un fallback. Je vais rajouter en plugin le plugin de fallback et ça va marcher. Avec Angular, on n'a pas le choix. On est obligé de surcharger le service worker pour mettre en place ce genre de stratégie. Pour rappel, pour surcharger le service worker, il faut faire donc ce que je vous ai présenté au début. On crée notre propre service worker qui référence le service worker généré par Angular. Donc voilà, on sera obligé de faire comme ça. Ça, c'est pour les stratégies de cache les plus communes. Donc, si je reviens dessus, donc on a cache only, tout ce qui est donné en fait de cache d'origine, donc c'est-à-dire tout ce qui est AppShell. Voilà, AppShell, hein, pour rappel, c'est le socle minimum qu'on affiche de façon instantanée dans notre application. Après, on a vu Network only, ça, on va s'en servir pour des API plus critiques. Après, on a vu cache first. Cache first, on va donc considérer qu'une fois qu'une ressource est arrivée et qu'on l'a mis en cache, elle est valable jusqu'à ce qu'on décide d'invalider le cache. Et on ne remet plus en question cette donnée. Network first, ça va être l'inverse. Par défaut, on va considérer que c'est le network qui a raison, mais on va quand même laisser la possibilité de se rabattre sur une donnée un petit peu moins fraîche. Ensuite, on a vu le cache Zen network. Lui, c'est un mélange des deux, en fait. L'idée, c'est de dire on va challenger et le network et le cache en même temps. En règle générale, c'est le cache qui répond en premier. Et dans les deux cas, on rafraîchit lui à la fin. Donc, on s'assure bien qu'on a bien la donnée la plus à jour possible. Par contre, on essaye d'avoir un résultat quasi instantané. Ça, c'est le cache Zen network. Après, le style while revalidate, lui, et dans l'instantanéité, donc on va d'abord chercher ce qui est issu du cache, pour autant, on prend la peine d'aller mettre à jour le cache quand même, mais on ne fait rien de plus. C'est une stratégie qui peut être gérée uniquement au service worker. Et la dernière, c'était generic fallback, donc quand tout va mal, il faut bien qu'il y ait un cas par défaut. Donc ça, voilà, ça c'est les cas principaux qu'on va utiliser, donc qu'on va déployer dans nos différentes applications, et vous voyez bien à chaque fois ce qui va vous permettre de le faire, c'est les routes.
quelle est la route associée, quel est le type de ressources associées. Et donc, je ne vais pas avoir une stratégie de cache, mais bel et bien X stratégies en fonction de ce que j'ai besoin dans mon application. Mais il se trouve que tout ça, eh ben, en fait, tout ça, j'ai tiré ça d'un livre, enfin, pas d'un livre, d'un article écrit par Jake Archibald, qui est donc quand même un des papas des services workers. Et il a écrit le Offline Cookbook, donc, que je vous invite à aller voir. Donc, c'est un article qui redétaille un petit peu tout ce que je vous ai dit, avec d'autres exemples d'implémentation. Et il en a rajouté d'autres. Lui, il s'est penché sur des stratégies supplémentaires. Moi, j'ai parlé des stratégies principales, mais il y en a d'autres qu'on peut avoir. Et notamment la on-install, as a dependency, on-install, not as a dependency, on-activate, on-user interaction, on-network response, on-push message, cache and network race, alors celle-ci elle est rigolote, et le dernier, service worker side, side templating, je ne savais pas trop comment la nommer différemment, mais bref. Je vais les passer en revue rapidement, sans le code, mais juste pour que vous ayez conscience que ça puisse exister. Donc la première, on install as a dependency, en fait, tout ça, hein, c'est schéma, là, ça vient de Jake. Donc, le on install as a dependency, c'est l'app shell. Ça, c'est la stratégie classique. Donc, c'est on va tout charger d'abord dans notre application. Une fois que c'est prêt, on balance l'app. On install not as a dependency. Celui-là, c'est un truc un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'on a un app shell de base. Et en plus, on a des données supplémentaires à charger. Genre, moi, avec l'appli streetart.app, l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. OK, j'ai l'app. C'est minimal qui est en train de s'afficher, qui a besoin de s'afficher, mais sous le capot, je vais continuer de pré-cacher des trucs pour le reste de l'appli. Ça, c'est du on-install not as a dependency. L'exemple qu'il prend lui sur son site, c'est par exemple quand on fait des jeux vidéo. On va pré-charger le premier niveau, et puis le not as a dependency, en parallèle, sous le capot, on va charger par exemple les niveaux 3, 4, 5, par exemple, pour faciliter le reste. Comme ça, l'utilisateur il peut commencer à jouer. Il n'a pas besoin d'attendre que j'ai chargé les 15 niveaux pour commencer à jouer. Et pour autant, quand il va passer sur les niveaux suivants, ça va aller très vite parce qu'ils auront déjà été pré-cachés. Le on-activate, lui, c'est juste un mécanisme en fait, de nettoyage. C'est le terme qu'il a utilisé pour symboliser le côté quand j'arrive sur une nouvelle version de mon service worker, je fais une sorte de table rase de tout ce qui existait pour partir sur un cache propre. Donc voilà, ça c'est juste le terme qu'il a utilisé. Le on user interaction, ça c'est un truc qui est assez intéressant, qui est finalement assez peu utilisé. Bon, après, il faut avoir le use case, mais le cas le plus précis du on user interaction, c'est le read it for letter. Je suis sur un article, je suis dans un blog, et je vois un titre d'article, et je me dis, ah tiens, celui-là, ça me plairait bien. Et ce serait cool si j'avais un petit bouton qui s'appelle read it for letter. Et quand je vais cliquer dessus, et ben en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher toutes les ressources en lien avec ce fameux article que je n'ai pas le temps de lire pour l'instant, et il va me les pré-cacher pour plus tard, quand j'aurai besoin et que je reviendrai sur mon site. Ça, c'est justement, on va pouvoir déclencher des actions de ce type-là. Le on-push message, c'est quelque chose d'assez classique. Je reçois un email, je reçois une notification push. Donc, on va demander à notre service worker, qui est l'unique récepteur des push messages, d'aller chercher les infos dans le network, de les mettre en cache, et qu'une fois que tout ça c'est prêt, à ce moment-là, uniquement, il affiche la notification à notre utilisateur. Comme ça, quand il clique sur la notif, tout est là, il n'y a pas d'appel serveur, et tout est magique. Le cache and network race, celui-là, je ne comprenais pas pourquoi il le faisait, mais je pense que c'est vraiment dans des cas très particuliers, notamment quand on est sur des postes avec des antivirus, à mon avis, très costauds. En fait, il explique dans cet article qu'apparemment, dans certaines configurations, bah, le cache, c'est plus long à exécuter que le network. Et donc, justement, parce qu'en fait, doit y avoir en fait, des sortes de locks internes aux machines, des antivirus, des trucs comme ça, des mécanismes de fichiers virtuels ou je ne sais pas quoi, qui font que l'accès au cache, eh bah, il est moins rapide que le network. Donc, du coup, en fait, on dit, OK, on va se mettre en mode promise race et on va voir lequel des deux répond en premier. Bon, ça, très clairement, je pense que c'est vraiment pas la majorité des cas, et c'est pas vraiment un truc sur lequel on peut s'attarder. Le dernier exemple que je trouvais vraiment rigolo, c'était celui-là, le server-side templating. En fait, on va faire du SSR depuis notre service worker. SSR, pour ceux qui ne savent pas, c'est server-side rendering, donc bah, c'est du Linux, par exemple.
Et entre autres, enfin je crois, hein, j'espère que je ne dis pas de grosses bêtises, normalement, dans mon esprit, Nuxt fait du SSR. Et donc, j'ai une page qui a un template qui est donc par défaut, qui est déjà présent dans mon cache. Je vais aller chercher des données que je vais consolider et je vais faire mon templating directement depuis le service worker. Voilà, en des cas un petit peu méta, franchement, le genre de choses qui nous amène à faire ça, c'est qu'on s'est bien pris la tête. Mais une fois de plus, c'est faisable. Donc, ça peut être intéressant de savoir que ça existe et qu'on peut. D'un point de vue ressources, qu'est-ce qui est intéressant? Donc, Jake Archibald, donc le fameux offline cookbook, et comme vous pouvez voir, il ne date pas d'hier, et pour autant, il est toujours autant d'actualité. 2014, c'est quand même assez incroyable. La school PWA de laquelle est tiré ce talk. Donc, une Sphere School, c'est des formations gratuites qu'on donne chez Sphere. Donc, on a une formation dédiée au PWA avec des exercices, notamment sur toute cette partie-là. Jake Archibald a aussi écrit un article sur comment faire ses premières PWA, et puis bah, bien entendu, la doc de Mozilla, comment utiliser correctement un service worker. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce talk, un petit peu long et un petit peu spécial d'un point de vue, tiens, je vous liste des API, c'est qu'il n'existe pas une stratégie, mais bien des stratégies à appliquer dans votre service worker, et j'insiste bien sur votre service worker et pas votre PWA, parce que l'on fasse du site e-commerce, du site web, des applications web, globalement, le service worker, il est là pour accélérer le rendu et l'expérience utilisateur. Donc, c'est tout ce que je vous ai présenté, c'est applicable quel que soit le domaine à partir du moment où on est sur du web. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Je vous remercie. Tout le monde, et si vous avez d'autres questions, je suis prêt pour y répondre. Merci Jeff. Alors, déjà une petite question tout de suite qui a popé de Thomas. Alors, est-ce que Workbox ou les API de base offrent des moyens simples pour faire des tests automatisés sur les scénarios que tu présentes? Non, il propose. Alors, Workbox, je n'ai pas creusé le côté test. Après, je sais que pour faire des trucs comme ça, on va être obligé de simuler des pannes réseau en fait à chaque fois. Donc, ça va. Moi, tous les tests que j'ai fait, je ne te cache pas qu'à chaque fois que j'ai fait des tests, c'était des tests end-to-end. Hein. c'est moi dans les DevTools. Le seul truc que j'utilise vraiment pour faire ça et pour tester, c'est les DevTools. Ceci dit, c'est une très bonne remarque. Il faudra que je regarde. Pour creuser la partie automatisation des tests, mais si on va dans ce sens-là, en vrai, avec du Puppeteer ou du... Alors, j'ai pas regardé l'API de Playwright, je sais pas ce qu'elle fait, mais avec du Puppeteer qui contrôle les DevTools, du coup, tu pourrais simuler et accéder finalement aux mêmes parties et tester. Le seul moyen que je verrais de tester ça, c'est d'utiliser des outils type Puppeteer, en fait. D'intégrer ça dans ta CLI avec un Chrome Headless, par exemple. Tu sais que tu vas plutôt centrer ça sur du Chrome Headless parce que c'est assez poussé, on va dire, en termes de tooling pour le débugage. Très clairement, quand vous voulez débugger des service workers, même si les autres navigateurs proposent des service workers, il n'y a pas photo, Chrome est plus simple. En gros, faites-vous les dents sur Chrome pour le débugage, et puis après, allez tester sur les autres navigateurs. Mais c'est plutôt ça que je te conseille, en tout cas. En tout cas, moi, je n'ai pas testé. Ok. Alors, il y a le lien dans le chat qui est apparu d'Open Feedback pour mettre votre domaine. Allez-y, jetez-vous dessus. Alors, petite question mais de moi pour le coup. Est-ce que tu as une stratégie par défaut à conseiller? Ah, bah en fait, oui. Alors, si, il y en a une que je mets systématiquement, c'est la cache first. La cache only, c'est l'app shell. Voilà, ça, c'est entre guillemets, c'est si j'attaque une appli web. J'ai tendance à minima à mettre la cache only pour la partie app shell. Ça, c'est la base. Et après, en fait, ça dépend du cas, en fait. Parce que, tu vois, quand tu fais des trucs type réseaux sociaux avec des flux de timeline, bah, faut avouer que la stay while revalidate, elle est quand même cool. Parce que tu es sur quelque chose qui est relativement frais.
La network first, elle est facile à mettre en place après. Donc, c'est une qui est facile. La network first, c'est voilà, on va chercher en premier lieu dans le réseau, puis si c'est pas là, je vais chercher dans le cache. Je pense que c'est quand même un bon use case. Les trucs qui s'appelaient first, elles sont pas mal en fait. Les cache first, les network first, elles sont faciles en fait. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de pousser des sujets aussi pointus techniquement? Alors, c'est que ça fait un petit moment que je fais des PWA. J'ai commencé il y a en 2016 ou 2015, je ne sais plus quand est-ce que ça a démarré. Et puis en fait, c'est à force de voir des stratégies, d'essayer des trucs, je me suis dit, bah, faut vraiment que je me renforce sur le côté cache. Parce que c'était pour faire un peu. Amener autre chose que simplement le discours PWA. Parce qu'en fait, tu vois, ça fait depuis 2016 que je donne des talks sur les PWA. Et puis bon, au bout d'un moment, les gens, ils sont, ouais, ok, bah, les PWA, bah, déjà, on n'en veut pas parce que ça s'appelle PWA et parce que Apple, ils n'ont toujours pas mis en place le push. Donc, on ne veut pas faire des PWA. Ça, c'est souvent ce qu'on entend. Et j'ai en train de dire, bah oui, mais c'est dommage de rejeter tout un truc alors qu'il y a plein de standards intéressants, dont les service workers et le cache, qui sont quand même plutôt cool pour le web, sachant que Safari a quand même fait beaucoup de choses aussi. Tout ce que j'ai présenté, ça marche sur Safari, donc c'est plutôt dommage de ne pas l'utiliser. Et c'est pour ça que j'ai cherché en fait d'autres sujets, d'autres alternatives, de pousser des sujets de performance web autres que simplement parler des PWA et de convaincre des gens que c'est bien le web, quoi. Ok. Pas d'autres questions, du coup. Et ouais, je vois, il y avait Super Pika Boy. Je recommande aussi, si vous ne le suivez pas, de suivre Maximiliano Fiertman. En effet, c'est une référence sur le sujet. Ah, c'est toi, Yann. J'avais pas vu l'icône. C'est vraiment. Il fait en fait tous les 6 mois, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version d'iOS qui sort, il fait un benchmark complet de toutes les avancées ou pas, ou régression des fois même, de Safari sur le mobile autour du monde PWA. Et c'est un pavé détaillé, enfin, c'est vraiment excellent ces articles quoi, là-dessus. Ok. Et bah du coup, merci Jeff. De Merci rien. merci tout le monde. Je vais faire revenir à Yann pour tous pour qu'il puisse vous dire au revoir. N'oubliez pas le petit questionnaire qu'on vous a mis, les liens open feedback pour répondre aux speakers. Puis bah merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Au Yes. revoir tout le Merci à monde. vous. Bonne soirée, à bientôt. Et abonnez-vous. Et C'est bonne trop VOD ça. si vous êtes retardataire. C'est ça. C'est exactement Salut, ça. bonne soirée. Ouais.